Yo les Geekserlines, j'espère que vous allez bien et que vos collections avancent bien. Pour ma part, ça va toujours aussi bien. On s'ouvre aujourd'hui la Pokébox Coraidon X qui est sortie il y a 2 semaines à peu près avec celle-ci, avec la Miraidon. Mais celle-ci sera pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, ça va être light. On va faire 4 boosters. Je sais pas ce qu'il y a comme série dedans. J'imagine qu'il y a du Karaté Violet, mais je sais même pas s'il y a de l'évolution à Paldea dedans. On va voir ça. Hop. En tout cas, la Pokébox est quand même jolie. Oui, et là c'est écrit ex aussi. Ça fait plaisir d'avoir des ex quand même, même si elles n'ont pas tout à fait le même charme que les précédentes. Hein. Alors, cette carte promo, qu'est-ce qu'elle dit? On voit quand même un peu les étoiles, mais c'est léger. Non, les ex, c'est quand même pas ça. Hein. Pas ce qu'on avait avant. Hop, alors les boosters. Ah bah si, on a bien 2 évolutions à Paléa, un écarlate et violet et un tempête argenté. Donc c'est exactement les mêmes boosters qu'on a dans le coffret dresseur d'élite. Non, comment, le nécessaire du dresseur de 2023. Hop, ça, je vous invite à aller voir d'ailleurs la vidéo. Bon, on va se faire cette ouverture des 4 boosters. En attendant, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un petit like, un commentaire, pourquoi pas, et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche des notifications. Allez, c'est parti. On se fait le tempête argenté en premier. Et cette fois, je ne me trompe pas. On ne se spoil pas le code. Et on fait le trix. C'est qu'à force, on perd l'habitude. Hop, et tac, on ne voit pas le code. 1, 2, 3, 4 pour mettre la rare au fond. Et à place de la reverse, il peut y avoir des sacrées belles cartes aussi. Allez. On va pousser ça un peu sur le côté aussi, pas que ça nous gêne. Hop. Ouvrière. Et Diatron. J'ai l'impression que ça fait pas le focus au bon endroit. Peut-être à cause du tapis. Je sais pas. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Hôtel primordial. Laporeil. Soporifique. Mimigal. Tarsal. Cradopo en reverse, ça sera Fampi et Armaldo en rare. Donc rien du tout sur Tempête Argentée. On va voir ça sur le Écarlate et Violet. J'aimerais bien le Miraidon ou Coraidon en alternative. Je crois qu'il n'y a que ça que j'attends encore dans la série. Ah si, le Léviator Terra cristallisé en le petit X. Je crois que c'est la seule que j'ai pas aussi. Le petit Poum. Petit peu mignon lui. Topico, Tout tombe, Juge, Mustiflotte, Mimosa, Dunaconda en reverse, Olivado en reverse et Craporoi en holo. Toujours pas. Bon. Et ben on va passer sur le Evolution Paldea. Ce serait bien d'avoir une ultra quand même dans le coffret. Sans être trop gourmande. Hop, allez. Tête en poule. Tête d'ampoule, ça aurait été mieux quand même. Que tête en poule. Loubé les roues. Oh là là. Vigorotte. Gouroutan. Piétacé en reverse. Granivol en reverse. Et Trioxydre en holo. Bon, c'est un peu léger là. Hein. Allez, le dernier booster de l'ouverture. C'est vrai qu'il y a aussi le Miascarade en alternative qui est pas trop mal. Même une petite AR, le Tauros par exemple, ça me ferait plaisir. Ah non, c'est pas dans celle-là, je crois. Je sais plus. Maintenant, je sais plus. Allez, un Solourdeau. Sonistrel. Poussacha. Ah bah si, c'est dedans, c'est dans celui-là. Le Tauros de Paldea. Floravol. Elige. Saguaro en reverse. Non. Scrutella en reverse. Et. Ah non, Gambex en holo. Bah, ça sera rien du tout, hein. On aura fait chou blanc. C'est comme ça. C'est les aléas des ouvertures de cartes Pokémon. J'espère quand même que l'ouverture vous aura plu. Il y avait quand même cette petite ex. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour se consoler. Et j'espère qu'on aura un peu plus de chance sur la Pokébox Miraidon. On verra ça dans la prochaine vidéo.
Pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche des notifications pour l'avoir. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!